Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, actionne la petite cloche pour ne rien rater. Je te propose de faire une crème capillaire très simple. On aura juste besoin du strict minimum. Je suis débutante comme toi et je me suis dit que ce serait bien d'apprendre à faire mes crèmes capillaires. J'ai lu pas mal d'articles et puis il y a la vidéo de Tia Mendy qui m'a vraiment inspirée. Elle a fait une vidéo dessus et je me suis dit que j'allais tester et ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Cette crème est vraiment pour toi si tu as souvent les cheveux secs. Donc pour faire cette crème, on a besoin d'un élément solide et moi j'ai utilisé du beurre de karité. Et on a besoin d'un élément liquide. Donc ce sera l'huile de votre choix. Moi aujourd'hui je vais utiliser l'huile de ricin et l'huile de moutarde. Je vais vous dire les bienfaits de ces trois éléments. Et on aura besoin uniquement de ça, de rien d'autre. Tout le monde sait à peu près que le beurre de karité hydrate les cheveux, apporte de la douceur à la fibre capillaire, les nourrit, les régénère, et ensuite pour l'huile de ricin, ça fortifie les cheveux et ça stimule la pousse. Et puis l'huile de moutarde favorise la pousse des cheveux aussi. Ça permet aussi de lutter contre la chute des cheveux. Ça fortifie la longueur des cheveux aussi. Moi j'ai décidé d'associer ces deux huiles là parce que ça stimule la pousse. Et mes cheveux aiment bien ces huiles. Et l'huile de moutarde, je viens de découvrir ça, du coup je l'intègre à ma routine maintenant. Comme tu as pu le voir, c'est vraiment des choses simples que tu peux avoir dans ta cuisine, que tu as déjà chez toi. C'est pas des choses extraordinaires. T'as pas besoin d'aller faire d'achat supplémentaire. La plupart du temps, on a tout ça chez soi. À part tout ce que je vous ai cité là, t'as besoin de rien d'autre. Donc c'est un produit 2 en 1. Parce que là, non seulement t'as plus besoin de mettre de leave-in, ni d'huile pour sceller l'hydratation, parce que les deux sont déjà mélangés, donc tu as juste ça à appliquer sur tes cheveux. Tu vaporises tes cheveux avec de l'eau et tu appliques ça sur tes cheveux. Tu n'as pas besoin de sceller l'hydratation. Il y a déjà le beurre le beurre de karité qui hydrate les cheveux dedans, et il y a l'huile qui vient sceller l'hydratation qui est déjà mélangée. Donc tu n'as besoin de rien d'autre. Tu appliques ça sur ta tête, t'es tranquille. Quand j'ai testé ça, je me suis dit, mais je peux pas garder ça pour moi. Ça a fonctionné et ça fonctionne toujours. Donc, moi, dès que je découvre quelque chose, je me sens obligée de partager ça avec vous parce que ça peut vous aider. Et, je pensais que c'était trop compliqué de faire une crème capillaire, mais non, c'est très simple. C'est vraiment simple, facile et efficace. Donc, je te laisse avec la suite pour voir comment je prépare cette crème. Je commence par mettre 2 cuillères de beurre de karité. Ensuite, je mets 2 cuillères d'huile de ricin. Et puis, je mets 2 cuillères d'huile de moutarde. La quantité d'huile doit être toujours supérieure au beurre. J'utilise le bain-marie pour faire fondre le tout, pour que ce soit homogène. Je surveille la cuisson, je laisse 5 minutes. Au bout de 5 minutes, tout va fondre et ça me permet de bien surveiller la cuisson en fait. Vu que j'aime conserver mes pots, j'ai pas eu à acheter un nouveau pot. C'est un produit qui était terminé. J'ai utilisé le pot et je verse le tout dans mon pot et je mets dans l'eau froide. Moi, j'avoue que j'ai préféré mettre dans le congélateur 30 à 45 minutes. Ça dépend de la quantité que vous avez et ça va beaucoup plus vite. Du coup, là, c'est vraiment une consistance crème. Là, vous voyez, je l'ai appliqué sur ma main et c'est vraiment, c'est très crémeux.
comparé au beurre de karité que je mets à côté. Vous voyez comment c'est le beurre de karité? Voilà, j'utilise une cuillère en plastique pour vous montrer que c'est tellement crémeux que je peux tourner facilement, sans effort. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais.